Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. On peut certainement lire dans cette courte scène comme un résumé de l'Évangile. Jésus est venu porter la parole de Dieu dans le monde pour qu'elle y soit accueillie et mise en pratique, et ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu se reconnaissent comme frères et sœurs de Jésus. La beauté et la simplicité de cette scène ne doivent pas nous faire passer à côté de son exigence. Il s'agit bien d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, littéralement de la faire. Si la parole de Dieu ne change rien à notre manière concrète d'agir, tout cela est vain. Si au contraire notre vie est façonnée par la parole de Dieu, si cette parole vient modeler nos paroles, nos pensées et nos actions, alors oui, nous pourrons nous reconnaître effectivement comme frères et sœurs de Jésus. Alors quelle est la parole que Jésus m'invite à mettre concrètement en pratique aujourd'hui ? Et se met à mon école, lui qui garde jour et nuit ma parole. Bienheureux qui me suit, bienheureux le bénissime, le royaume des cieux. Bienheureux les humbles et les doux.
persécuter mon esprit.